Bonjour, au lieu d'écrire des mille et des cents, je préfère montrer et expliquer comment en fait on fait les différents doigtés pour la trompette si bémol, soit la grosse, soit la piccolo, de telle manière à comprendre un petit peu par l'exemple. Je vais jouer avec ces deux instruments. Bon, on va monter la gamme depuis sol médium, au milieu de la portée, jusqu'au sol aigu, avec une trompette en si bémol. La même chose, exactement les mêmes notes, mais avec une trompette piccolo. On commence donc au sol. Cette fois-ci, on commence avec un E3, vu que c'est un sol grave pour la piccolo. Continue avec la trompette si bémol, du sol aigu jusqu'au contre-sol. Fait la même chose avec la trompette piccolo.